Alors c'est normal, cette série nous dit rien à nous les Français, pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été traduite en France. Elle raconte l'histoire d'un jeune Anglais qui s'est enrôlé dans la Navy à l'époque où on se battait contre eux et qui est monté en grade en détruisant des bateaux français. Alors vous pouvez comprendre qu'avec leur grande fierté, les Anglais n'ont pas fait l'effort de la traduire jusqu'à chez nous. D'ailleurs, elle est peut-être mieux pour qui sait. Par la suite, Ed Fryatt a fait quelques apparitions dans d'autres films, tels que Monsieur N, le film sur Napoléon d'Antoine Decaune, qui est sorti en 2002, ou encore un peu plus récemment dans Mon frère Yves, le film de Patrick Poivre d'Arvor. Et enfin, en 2010, on en est d'ailleurs très fiers, on est monté jusqu'en Angleterre avec notre société privée à Saint-Malo Étoile Marine Croisière pour aller chercher notre frégate. Et on l'a ramené dans son port d'attache, son port d'origine historique, qui est Saint-Malo. C'est environ 12 nœuds. 12 nœuds, ça fait un peu plus d'une vingtaine de kilomètres heure. Faut savoir que c'était extrêmement rapide pour l'époque. Je vous expliquerai par la suite d'où l'intérêt pour nous les Français d'avoir des navires aussi rapides à ce moment-là. Bien entendu, on a eu l'ajout des moteurs et autres technologies durant sa construction car c'est devenu obligatoire et ça nous aide principalement à manœuvrer à l'entrée et à la sortie des ports. Vous avez quasiment 18 km de cordage sur le navire. Bien entendu, lorsque vous montez sur un bateau, il n'y a plus de cordes. Vous n'avez que des bouts qui ont tous un nom différent et une utilité particulière. Je vous laisse imaginer un petit peu les conditions de vie des marins de l'époque. C'était pas joyeux, joyeux. Maintenant, remontons dans le temps et justement allons parler de nos valeureux corsaires. Comme je vous l'ai dit, cette frégate vient du 18e, elle a été mise à l'eau au mois d'avril 1745 à Saint-Servan. C'est un des quartiers historiques de Saint-Malo. Elle est partie faire ce que l'on appelait couramment par chez nous à l'époque, la chasse aux Anglais. Ils l'ont ramenée chez eux pour en faire des répliques, des copies. Car comme je vous l'ai dit précédemment, c'était un navire très rapide pour l'époque. Et du coup, beaucoup plus maniable que leur grand galion, qui était lourdement armé, mais du coup très lent dans le petit temps. Donc les Anglais préféraient nos bateaux. Et par la suite, ça a été rapidement la fin de l'histoire pour cette belle frégate, car les Anglais et autres ennemis de la France avaient la fâcheuse manie d'égarer les navires qu'ils capturaient. Celui-ci n'ayant pas dérogé à la règle, il a tout simplement disparu. On n'a jamais su au large de quel côté cette frégate a coulé, car il n'y en a plus aucune trace écrite dans les archives de la Navy anglaise. Une question très importante. Vous êtes actuellement sur une frégate corsaire. Connaissez-vous au moins quelle était la différence de l'époque entre un corsaire et un pirate? Alors, à ce moment-là, on a de plus en plus de navires marchands qui naviguaient le long des côtes de France. Et qui est navire marchand? Dit trésor, qui dit trésor sur les mers, dit forcément pirate pour les piller. Les pirates, on les connaît bien, ça n'avait ni foi ni loi, ça ne respectait aucune autorité et ça attaquait tous les bateaux qui se présentaient à eux. Et bien entendu, garder les butins dans quelques cités en France et qui pouvaient pas s'en servir. Du coup, il a officialisé les corsaires. Comment il a fait? Ça a été très simple. Il a utilisé un document. Pardon. Ça s'appelait une lettre de marque ou encore une lettre de course. Et lorsqu'un capitaine en temps de guerre avait l'honneur de recevoir cette lettre, ça lui donnait l'autorisation d'attaquer tous les ennemis du roi sur les mers. Et ce, en toute légalité, au nom de la couronne.